Bonjour à tous, une petite vidéo sur une sonnette sans fil qui est de, composée de deux, deux éléments. Donc, premier, l'émetteur, hein. donc ça c'est l'élément qu'on place devant sa maison, composé d'une petite pile, d'un petit circuit imprimé avec une antenne radio. Donc, ça utilise le 433 MHz, donc une fréquence de 433 MHz. Et de l'autre côté, à l'intérieur de la maison, on a un petit module récepteur avec un haut-parleur pour diffuser le son. Donc, très simple, hein. la personne elle arrive, elle appuie sur le bouton, voilà, et ça fait sonner la sonnette. Donc, ici, il y a juste deux petits boutons. Donc, le premier, c'est pour changer l'intensité de la sonnerie. Et ici, on peut changer deux sonneries. Donc, on va laisser celle-là, par exemple, parce que je l'aime bien. <laughs> Donc, le 433 MHz, c'est vraiment la fréquence et non pas le protocole. Il faut vraiment différencier. Donc la fréquence c'est ce qui va permettre à transmettre le signal, le protocole c'est la façon dont on va interpréter le signal pour faire passer un message. La bande de fréquence 433 MHz c'est une bande de fréquence ouverte au public donc n'importe qui peut émettre. Par contre le protocole c'est un peu, ça dépend des, des, des constructeurs, il y en a des dizaines et des dizaines hein. donc on peut vraiment, euh... c'est pas évident de décrypter tous les protocoles. Il faut vraiment différencier les deux. Euh, 433 MHz, donc c'est utilisé pour les sonnettes sans fil, tout ce qui est télécommande domotique, par exemple pour les les, les volets, les lampes, les, les interrupteurs. C'est utilisé pour les portails, les portes de garage, les stations météo, les choses comme ça. Euh, L'avantage de ce protocole, c'est qu'il est extrêmement simple, peu cher et qui consomme pas beaucoup d'électricité. Euh, L'inconvénient, c'est qu'il est, de mon point de vue, pas assez sécurisé et il est assez limité. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'éléments dans votre maison qui communiquent en 433 MHz, vous pouvez avoir des collisions et euh, des problèmes de communication entre eux. Donc il faut savoir qu'ici, on a juste un émetteur et un récepteur. C'est-à-dire que lui, il va que émettre et lui, il va que recevoir. Donc c'est-à-dire que quand on appuie ici, ce circuit intégré n'aura pas l'information si ça a sonné ou pas. Bon bah c'est parti, donc l'idée de cette petite vidéo c'est euh, d'analyser, de se mettre au milieu en fait, hein, à la place par exemple de l'antilope. Hein. Donc on va dire que nous on est l'antilope. Donc on se met à la place de l'antilope, on va recevoir et intercepter le signal, donc de l'émetteur, et on va essayer de le reproduire pour pouvoir un peu hacker le système. Donc l'idée étant d'arriver à faire sonner la sonnette sans appuyer sur le bouton. Donc pour commencer on va essayer de se faire un petit schéma super simpliste, donc voici le schéma électrique, pour pouvoir essayer de capter le signal à l'aide d'un oscilloscope. Donc comme vous pouvez le voir c'est super simple. On commence à gauche avec une pile 9 volts. Alors ici on a notre antenne, donc qui est représentée par un fil de 17 cm. Pourquoi 17 cm Parce que 17 cm ça permet de capter le 433 MHz. La longueur du fil dépend de la fréquence en fait. Par exemple pour du 868 MHz, ce sera un fil de 25 cm. Euh, deux diodes, résistance, résistance, deux kappa, et on, on branche notre oscilloscope à droite, donc le plus, le moins. Donc voici le circuit hein. on voit les, les diodes ici, les résistances en bleu, les kappas en jaune, l'alimentation, donc le plus, le moins qui est directement relié à, à la pile 9 volts, et l'oscilloscope, donc la sonde connectée entre la masse et euh, le point de sortie ici. Alors on va se mettre en mode coupling normal, single. Voilà. Donc je vais vous montrer plus précisément sur l'écran. Voilà un peu ce qu'on obtient. Donc C'est relativement rudimentaire. On peut quand même voir les 1 et les 0. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ça a l'air d'être une séquence. Qui est à peu près la même, et il y a une, une certaine répétition. Donc maintenant on va passer euh, aux choses un peu plus sérieuses. Pour sniffer le signal, on va utiliser directement un, un démodulateur. Donc tu, on peut trouver ça sur internet. Je vais juste poser la caméra pour faire la zoom. Voilà. Donc ça ressemble à, à ça. Euh, vous voyez, donc il y a 4 pins, il est marqué ici. Voilà. Donc, il y a le ground, donc la masse, le VCC et les deux pins du milieu, c'est les pins pour les data. Et donc, ce signal permet de démoduler et de filtrer euh, le signal radio. Donc, je vais vous montrer, j'ai toujours mis mon oscilloscope. Il faut savoir que le, le petit circuit, il faut l'alimenter en 5 volts. Donc, ce que j'ai utilisé, c'est que j'utilisais un Arduino Uno qui a une sortie 5 volts. Je l'ai juste alimenté avec une powerbank. Euh, j'ai aussi rajouté une antenne 433 MHz. Comme ça. Euh, je l'ai soudé du coup sur le petit PCB. J'en avais, avais plusieurs. Euh, et donc euh, là, j'ai mis le scope sur la pin de data. Comme auparavant, il y a l'oscilloscope ici. Et je vais activer la sonnette. Et on va pouvoir voir le signal. Euh, je vais mettre en trigger. Je vais mettre en single. Et là, je vais sonner. Il faut qu'elle marche. Il se passe quoi Alors attendez je suis en auto, je vais mettre en mode normal et on va recommencer. Voilà. Euh, bah donc là on peut voir que c'est clairement plus précis. On voit bien les, les bytes, c'est bien filtré. Le signal est, est parfait. Quoi. Donc là il est exploitable. On pourrait le mettre sur un Arduino, un Raspberry, un PC ou n'importe quoi, un sniffer. Et on pourrait détecter. Euh, on pourrait essayer de décoder le, le signal. Donc, on va essayer de l'analyser rapidement. On va mettre deux. Tac, tac. Donc, on voit que c'est exactement la même séquence qui est répétée plusieurs fois. Vous allez me demander pourquoi. Hein voilà, on voit que c'est exactement la même séquence qui est répétée. On va refaire un essai pour voir combien de fois elle est répétée. Je vais dézoomer et je vais relancer une capture. Hop, voilà. Bon, donc, euh, j'ai même pas eu réussi à tout avoir, alors on va se mettre à gauche, on va en refaire un. Donc c'est répété, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois. 12 fois exactement la même chose. Et en fait, ils, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient euh, le signal plusieurs fois. Euh, à cause du gain, en fait comme ça le, le récepteur reçoit une trame et peut ajuster son gain en interne pour pouvoir euh, décoder le signal plus simplement on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'envoyer plusieurs fois. Et peut-être que c'est aussi le constructeur qui a dit au moins on est sûr que le récepteur il l'aura quoi. Au moins on est sûr. Donc voilà, donc maintenant l'idée c'est de euh, d'analyser le signal. Donc il faut savoir que pour le 433 MHz, ça c'est la fréquence c'est une fréquence qui est publique, donc dans le domaine public, et donc chaque constructeur peut faire son propre protocole. Donc ce propre protocole, c'est comment on code des données, donc des 1, des 0. Donc soit par exemple en disant, bah, je ne sais pas moi, quand c'est rapproché, c'est un 1, et quand c'est éloigné, c'est un 0, ou quand c'est un, euh, un signal assez large, ce sera un 1, et là c'est un 0. Là on peut voir par exemple que c'est tout le temps la même largeur de signal, donc c'est-à-dire les piques, le codage n'est pas sur la largeur d'impulsion. Donc, quelle est la stratégie Comme je ne connais pas le protocole et que je j'ai pas envie d'essayer de, de décoder euh, parce que c'est quoi l'information, en fait. Il faudrait juste que le récepteur, il sache qu'on a appuyé. Donc, il y a rien, en fait. Il n'y a, a pas de température à transmettre ou d'information. Il faut juste que le récepteur, il sache que ça vient de la sonnette. Et c'est tout, en fait. Après, il fait, euh, il fait sonner la sonnette, terminé. Donc, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un protocole. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément essayer de, de dupliquer le signal. Donc, comment, comment on va procéder On va juste mesurer le temps. Donc, le temps, par exemple, euh, ici, le premier front, il arrive à... On fait un exemple, hein, 10 microsecondes, il redescend à 12 microsecondes, il se relève à 14 microsecondes. Et, et, et comme ça pour tout, tout le signal. C'est-à-dire qu'on aura des, euh, un tableau avec des microsecondes, et, et comme ça, on va pouvoir après renvoyer exactement le signal. Donc, on va dire ici, hop, dans notre tableau, il y a marqué euh, 10 microsecondes, hop, je le passe à 1, 11, hop, je le repasse à 0, 12, je le repasse à 1, etc., etc., pour tout le signal. Donc, on n'a pas besoin de savoir euh, les informations qui sont changées. Notre but, c'est vraiment de dupliquer euh, purement et simplement le signal. Alors oui, rapidement, je voulais aussi vous montrer, ça c'est le schéma électronique du, du récepteur donc, euh, que, que j'ai acheté. Donc on voit déjà que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Donc à droite, on peut voir les quatre les, les, les pins, donc le 5V, les deux pins de data, qui sont exactement les mêmes, et, et la masse. Et ici, on peut voir l'antenne. Donc rapidement, ici, c'est pour faire un signal de résonance. Toute la partie là, c'est pour refaire un signal de 433 MHz. Euh, qu'on connecte ensemble et ici je pense c'est un amplificateur et ici c'est un comparateur pour avoir un signal le plus clair possible à la fin mais bon je... si vous voulez que je rentre plus dans les détails il faudra me le dire en commentaire parce que là on vient dans ça devient vraiment complexe donc dernière petite expérience hein. plus intéressante donc là l'idée c'est très donc on a toujours notre sonnette à droite le reste de la sonnette hein, avec le haut-parleur à gauche et donc là on a notre Arduino avec un récepteur, donc le récepteur qu'on a vu précédemment, et un émetteur, d'accord Ici, c'est le module émetteur. Euh, donc, ce que j'ai fait rapidement, c'est que j'ai fait un tout petit morceau de code et avec un petit peu de, de câblage, j'ai juste rajouté deux euh, deux boutons poussoirs. Le premier, c'est pour déclencher euh, la réception. Donc, c'est-à-dire qu'on va Démarrer la réception et sniffer la première trame 433 MHz qu'on verra. Et le deuxième, c'est pour les Donc celle qu'on vient juste d'enregistrer. Donc on va commencer. Donc là, je vais redémarrer le heure du pour être sûr de rien avoir. Voilà. Donc là, il est démarré. Donc je vais lancer la réception. Bon, c'est pas super pratique, mais. Voilà. Je vais appuyer sur la sonnette. Voilà. Et là, vous avez vu, il y a une lettre qui vient de s'allumer. Donc ça, je l'avais mis dans mon code, c'était pour dire en gros, euh, j'ai reçu une trame, elle est prête, tu peux l'envoyer. Donc maintenant, la trame a bien été sniffée, je vais du coup la émettre. Vous voyez Là, du coup, je peux déclencher la sonnette. Je refais. Encore. Voilà, j'ai plus besoin de, de, de ça, hein. j'ai vraiment copié la sonnette. Donc je vais vous montrer plus avec... Euh, l'oscilloscope donc la trame reçue et la trame émise et on va voir à peu près euh, si je l'ai bien copié quoi là je viens de rajouter les, les deux sons on va voir donc là je redémarre le Arduino on va se mettre ici sur l'oscilloscope que vous voyez bien voilà je vais me lancer en mode RX voilà je vais enlever le TX je vais faire une capture et là Ouais, j'en ai lancé deux. Bon, c'est pas grave, on a quand même le signal. Donc là, on a le signal de la réception et il a bien été enregistré. Donc je vais essayer quelque chose. Je vais mettre en mode écran persistant. Je vais mettre le deuxième canal et je vais lancer. Donc là, je vais mettre la sonnette là pour bien montrer que j'utilise pas. Voilà. Je vais activer la sonnette avec le simulateur. Bon, c'est pas terrible en persistant, je pensais pas que ça allait donner ça. C'est pas trop exploitable. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que sur le, le, le channel 1, donc le, le jaune, c'est euh, mon module d'émission. Donc là, c'est vraiment le Arduino qui envoie le signal, donc la copie. Comme le module de réception était toujours alimenté, il est reçu aussi sur euh, la réception. C'est pour ça qu'on le voit deux fois en fait. Alors qu'avant on le voyait qu'une fois donc c'était que la réception. Parce que là notre module vient d'émettre. Après à dire si c'était exactement la même chose, on dirait quand même. Peut-être peut en fait j'ai pas mis les délais entre les. <laughs> pas mis de délais euh, entre les, les bytes mais ça a l'air de marcher quand même hein, donc c'est vraiment. On va peut-être refaire une, une réception pour voir de nouveau. Donc là je vais juste. Alors display, clear persistent, clear. Clair display, je vais faire un single et là je vais faire juste et voilà. Ouais donc là on peut voir qu'il y a des, des petits temps hein, entre le entre chaque chaque petite émission. Et là je vais juste remettre euh, le trigger sur la voix 1. De toute manière ce sera pareil. Je vais faire un. Et là je vais l'envoyer avec mon device. Ouais, donc là, je ne les avais pas mis. Mais ça marche quand même, c'est le principal. Donc, c'était juste pour vous montrer qu'une que sonnette, c'est super facile à, à hacker. Et je comprends toujours pas qu'on puisse encore laisser ça sur le marché. Mais bon, tant pis. Hein. C'est-à-dire que je l'ai aussi testé chez mon voisin, qu'il a à peu près la même. Et ça marche. Donc, je peux, je peux sonner chez lui depuis chez moi. Je pourrais mettre un programme pour euh, tous les jours à 3h du matin, euh, sonner 50 fois chez lui d'un coup. Donc, dans ma prochaine vidéo. Euh, on essaiera de faire la même chose, mais avec euh, donc toujours du 433 MHz, mais avec euh, un portail. Donc là, ils utilisent une sécurité qui s'appelle le, le rolling code. Donc ça va aussi pour les, euh, les portes de garage. Et, euh, et on va essayer de, de contourner le système, hein, comme d'habitude. Mais ça va être un peu plus compliqué. On va utiliser un peu plus de matériel, mais bon, c'est toujours, toujours faisable. Donc rapide point sur le, le module d'émission, ce que je ne l'avais pas fait. Donc c'est un FS1000A. Pareil, c'est un petit module, je pense, chinois, hein, de concept chinois, donc super basique. Donc le voici. Euh, donc, Très 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 simple, hein. Donc, qui comporte également trois pins. Donc le, la masse, le VCC et le text data. Donc masse, VCC, text data. L'antenne. Euh, ce qui est le gros composant ici, c'est le on voit ici donc 433 MHz pour faire la modulation. Donc juste l'idée, c'est de, on prend les 433 MHz, on rajoute notre signal et on envoie ça. Terminé. Donc très rapidement le programme réalisé. Il faut savoir que je me suis, j'ai utilisé une plateforme Arduino et j'ai aussi utilisé des exemples en ligne hein, que j'ai juste modifié pour mes besoins. Je n'allais pas réinventer la roue. Euh, donc on va le parcourir très très rapidement. Donc ici 4 define pour en gros euh, configurer notre euh, notre analyse de signal, donc on va dire par exemple le minimum duration, c'est le temps minimal qu'on considère avant de dire qu'on a changé d'état, chose comme ça, maximum, max, max edge, donc ce sera la taille de notre tableau, où dedans on va rentrer du coup tous les timings, hein, comme j'avais dit avant, donc le timing de changement de front, donc front montant, front descendant, un peu de, un peu de variable locale, euh, configuration. Donc, au début, donc on va configurer le récepteur en entrée, l'émetteur en sortie, la LED en sortie, les deux boutons donc pour la réception et l'envoi en entrée, la loupe principale. Donc, rapidement, dès qu'on appuie sur le bouton réception, on commence la réception du signal et on met la LED à 0. Ici, c'est dès qu'on a commencé la réception. Donc, là, c'est tout l'algorithme qui permet d'analyser et de remplir notre tableau. Dès qu'on a un signal qu'on considère valide, on va l'afficher à l'écran et on va mettre la LED à 1. Donc la LED elle va s'allumer. Et à la fin, euh, dès qu'on va appuyer sur le bouton Send, on va du coup parcourir le tableau précédemment rempli. On va changer l'état de la pin d'émission et on va euh, faire un délai de, de la valeur de notre tableau. Et on va afficher Done à la fin. Voilà. Donc ici le moniteur série. Donc je vais. Vous montrer les, les messages de debug du, du programme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton de réception. Voilà. Donc là, le receive start. Après, je vais appuyer sur la sonnette. Voilà. Donc là, on voit, il affiche tous les timings. Donc notre tableau avec tous les timings. Donc il y en a 504 des, des fronts. Et après, donc là, je vais appuyer sur le bouton d'émission. Voilà. Là, on voit qu'il a envoyé le signal. On refait une fois. Voilà. Là, il a renvoyé de nouveau. C'est tout.